Coucou les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'astro du mois de juillet 2023. Alors, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois-ci. Et on finira aussi par les breloques, parce que j'adore les breloques. Je trouve ça super sympa, ça fait pétiller notre enfant intérieur. Donc voilà, on y va. Alors, je vous invite à aller voir en barre d'infos tous les renseignements me concernant, comme ça vous me connaîtrez un petit peu plus, sachant que je suis énergéticienne, que j'ai une boutique en ligne lemurmuredesetoiles.com et que je propose des guidances, du coup, des soins énergétiques et des produits bien-être. Allez, on y va les amis Verseau, on va aller voir du coup quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous ? On a le travail et l'entreprise, en plein mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, en dos des decks, on a le nettoyage profond. Alors, c'est possible que pour certains Verseaux, il y ait un changement de travail. Peut-être que vous allez avoir envie, justement, de prendre ce mois-là pour faire une sorte de reconversion professionnelle. Peut-être qu'il y a besoin de clarifier les choses, de mettre des choses au clair par rapport au travail. Donc, vous allez peut-être profiter de vos vacances aussi pour justement vous renseigner sur des choses qui vous font plaisir, sur des choses qui vous motivent et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? On a la prudence. Alors, ici, c'est vraiment important parce que moi, j'ai le sentiment qu'au niveau du travail, ça peut impliquer beaucoup de personnes. Ici, je vois beaucoup d'animaux et je me dis que... Alors, peut-être que pour certains Verseaux, vous travaillez... On m'envoie l'image d'une crèche, d'une école, quelque chose comme ça. Et peut-être qu'il y a cette notion de protection. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est enseigné. Peut-être que vous transmettez des choses, mais à un public jeune ou un public qui a besoin justement d'apprendre... Vous voyez, moi, je vois vraiment cette personne qui, vous, en fait, qui êtes là pour enseigner aux autres, vous montrer le chemin, en fait. Vous montrer le chemin, vous dites attention et tout. Enfin, on voit vraiment cette image des enfants, vous prenez soin des enfants, vous leur apprenez, par exemple, à regarder avant de traverser. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, ça peut être des enfants, ça peut être au niveau de la réinsertion, ça peut être, des personnes qui ont besoin... qui ont besoin d'être protégés, soutenus et accompagnés. Et vous, ce que j'entends, c'est qu'en fait, vous avez ce rôle-là, en fait. Donc, j'entends aussi que pour certaines personnes, vous pouvez, par rapport aux collègues, vos collègues ont peut-être la notion, ils vous voient comme une personne vraiment protectrice, vraiment quelqu'un qui est douce, qui est affectueuse, qui est dans l'entraide, en fait. Donc ici, bon, les Verseaux, pour l'instant, il n'y a pas de vacances en vue. Non, je rigole. Pour l'instant, c'est le travail, l'entreprise qui est très important. Pour certains Verseaux, on vous dit aussi de faire attention au niveau du travail. Il y a peut-être des choses à contrôler. Vous voyez, lire entre les lignes, par exemple. Si vous avez un contrat à signer, si vous avez des partenariats à faire, on vous invite vraiment à faire attention. Mais il y a cette notion de prendre soin de quelque chose, de quelqu'un et tout. Peut-être que j'entends aussi, vous travaillez à la SPA, par exemple, ou vous êtes bénévole dans une association. Il y a vraiment cette notion-là. Ou peut-être vous avez envie de faire de l'humanitaire. Vous avez envie de partir à l'étranger. Ou enfin, vous avez envie de faire quelque chose. Alors, du coup, on va aller voir votre état d'esprit. Donc, quel est votre état d'esprit? Ralentissement et on a la tornade. Cette carte, elle est incroyable parce qu'on a une tornade pour un ralentissement. Donc, quelque chose qui est complètement à l'opposé. Ce que j'entends, c'est que pour certains Verseaux, vous avez besoin de ralentir et vous êtes coincé dans une situation et vous ne pouvez pas. Donc peut-être que justement, au mois de juillet, vous auriez aimé partir en vacances, prendre des vacances parce que vous sentez que votre énergie, elle est assez basse. Vous avez besoin de repos, de vous détendre. Mais par exemple, les vacances sont au mois d'août. Donc il y a encore peut-être 3 semaines, 1 mois à attendre. Et donc du coup, c'est compliqué. Pour certains, j'entends qu'on vous réfrène au niveau du travail. Vous avez plein de projets en tête, vous aimeriez faire beaucoup de choses au niveau de votre travail, mais il y a quelque chose qui bloque, qui vient freiner tout ça. Donc, vous êtes un peu coincé au mois de juillet entre l'action et l'inaction, entre le repos et l'hyperactivité.
Donc il y a un peu cette notion de essayer de trouver un juste milieu entre le fait de travailler à fond et de vous reposer. C'est vraiment important de trouver des moments pour le faire, pour équilibrer en fait tout ça. On me dit de faire attention aussi au burn-out au niveau du travail. Ça c'est vraiment essentiel parce qu'on voit les Verseaux, vous vous donnez énormément. Donc vous faites passer le travail avant tout et c'est vraiment essentiel de aussi de vous ressourcer en fait. Alors, comment vont évoluer vos désirs, les amis Verseaux, pour ce mois de juillet? Waouh, super! On a une grosse avancée karmique. Ok, donc ici, si vous êtes un peu bloqué dans votre vie, les amis Verseaux, et que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, on vous invite à vous détendre. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse avancée karmique. Il y a un déblocage incroyable qui va se faire. Donc, on vous dit justement que vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, vous allez pouvoir accomplir des choses que vous avez souhaitées depuis très longtemps. Donc ça, c'est génial, c'est super. On a vraiment de belles énergies. Je suis trop contente pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. On va aller voir du coup le message général. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message général pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juillet? On a la papesse qui est ressortie. Waouh, on a deux arcanes majeures. On a la mort qui est ressortie. Waouh, on en a trois. Ok, donc grosse avancée karmique, gros déblocage. On a l'empereur qui est ressorti ici. Oula, incroyable. Bon, les Verseaux, accrochez-vous. Parce que là, c'est... hallucinant. Et on a le 6 de bâton. Petit arcane mineur, mais quand même pas des moindres, parce qu'avec un 6 de bâton, on va vers la réussite et le succès. Alors, les amis Verseaux, accrochez-vous. En fait, je comprends la tornade. Vous allez être pris dans une tornade, que ce soit émotionnel. Vous n'allez pas comprendre le mois de juillet parce que vous, vous attendiez peut-être à un mois tranquille, du genre farniente, vacances, c'est l'été, on se prend pas la tête. Or, pour vous, pour certains Verseaux, ça va être vraiment le mois décisif et il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Ça, pour certains Verseaux, il peut y avoir de la médiumnité qui ressort, il peut y avoir une grande transformation au niveau de vos capacités, de vos dons. Par contre, ce qu'on m'envoie aussi comme message, c'est qu'il est possible qu'il y ait une personne de votre entourage, donc ça peut être au niveau des amours, où ça peut être vraiment cette énergie masculine, il va y avoir des choses, des secrets qui vont être dévoilés. Vous allez vous rendre compte de ce qui s'est passé dans les semaines précédentes. Vous allez prendre conscience de certaines choses qui vont vous permettre de transformer une situation avec quelqu'un. Ça va vraiment être important pour vous. Pourquoi? Parce que c'est une compréhension qui va vous ouvrir les portes sur... quelque chose d'incroyable, on a la réussite et le succès. Donc ici, au mois de juillet, il va y avoir pour certains Verseaux des clarifications au niveau sentimental. Il va y avoir des vérités qui vont être dites, il va y avoir des paroles qui vont être dites, qui vont complètement transformer la donne et qui vont vous amener vers beaucoup de réussite et d'épanouissement. Pour certains, on a vu que le travail était très important. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous avez des dons au niveau de la médiumnité, des capacités, des choses comme ça. Mais on vous dit que, parce que vous voyez, avec la papesse et la mort, ici, on peut avoir une communication, par exemple, avec des défunts. C'est pour ça que je parle de médiumnité. Et on vous demande d'être énormément ancré. Si vous posez des questions par rapport à ça, on a vraiment cette notion d'être ancré, d'être stable. Donc c'est possible que vous ayez envie de créer votre entreprise, c'est un appel du cœur, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le partage avec les autres. On vous dit un grand oui. Pour certains Verseaux, on vous dit un grand oui. Déjà, créer votre entreprise, c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose... vous avez les capacités pour le faire, les capacités de construire quelque chose, de vraiment avoir quelque chose de stable, de durable... Et on vous dit que les Verseaux, si vous êtes dans votre cœur, si c'est vraiment un appel du cœur, vous avez toutes les portes qui vont s'ouvrir. Ça, c'est vraiment important à comprendre.
Au niveau des amours, on a vu qu'il y avait peut-être une personne qui pouvait un peu bloquer. Au niveau du travail, c'est possible aussi que votre travail, pour l'instant, soit conflictuel avec une personne d'autorité. Donc, ça peut être, c'est quelqu'un qui est plus haut hiérarchiquement. C'est possible que ça bloque par rapport à ça. C'est possible qu'au mois de juillet, il y ait des communications qui soient un petit peu houleuses. Mais ça va vous permettre justement de clarifier les choses. Et c'est ça qui est incroyable. En fait, les Verseaux, vous allez pouvoir clarifier et ça va vous permettre justement de débloquer la situation et d'avancer beaucoup plus vite que ce que vous ne pensiez. Donc s'il y a des choses qui arrivent comme ça, qui déboulent de nulle part, dites-vous que c'est pour aller beaucoup plus vite. Là, on vous dit la vie s'accélère en fait et vous invite vraiment à déployer vos ailes et aller dans votre plein potentiel, j'entends. Alors, du coup, on va aller voir. Mais franchement, c'est incroyable, hein, ça va dépoter les Verseaux. Accrochez-vous, là, on m'envoie l'image de l'avion qui décolle. Alors, on va aller voir au niveau des challenges. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des challenges? Quels sont les défis que vous allez devoir dépasser pour ce mois de juillet? On a le cimetière, une peur inutile. J'adore cette carte. Bon, de toute façon, j'adore ce jeu. Je m'en sers pas que pour Halloween, parce que je trouve trop trop bien. Alors, les cimetières, une peur inutile, et on a les vies antérieures. Ok, donc pour certains Verseaux, vous avez des dons qui viennent de vos vies antérieures. Il y a des choses que vous connaissez depuis longtemps. Pour les amoureux, c'est possible que vous ayez une relation karmique avec quelqu'un. C'est pour ça que ça peut être compliqué, c'est pour ça que vous avez le sentiment de ne pas avancer. Il y a vraiment cette notion d'aller à l'intérieur de vous et de vous connecter avec toutes vos parts en fait, vos parts de vous-même pour pouvoir justement vous déployer. Et ce qui va se passer, c'est que pour certains Verseaux, si vous voulez avancer dans votre vie, on va vous inviter, parce que là on a du karmique, hein, ça fait 2 fois que ça ressort, on va vous inviter à aller voir vos parts d'ombre, entre guillemets, pour pouvoir justement mettre en lumière ses dons et ses capacités. J'entends que pour certains Verseaux, il y a pu y avoir des vies antérieures de sorcières. Voilà, imaginez un peu la fin tragique de certaines sorcières, entre guillemets. Donc, il peut y avoir des peurs qui remontent à la surface aujourd'hui, simplement parce que vous avez vécu des vies antérieures qui étaient compliquées. Vous n'avez pas pu exprimer vos dons sans avoir peur, en fait. Donc, vous n'avez pas pu exprimer qui vous êtes véritablement. Et aujourd'hui, vous aimeriez le faire, mais c'est pas simple parce que il y a ces peurs qui viennent de nulle part, vous ne comprenez pas pourquoi. Et là, on vous dit, ça vient du passé, ça vient des vies antérieures. Donc voilà, donc ici, on vous dit que dans cette vie-là, vous ne craignez rien. Vous avez la capacité et vous avez acquis beaucoup de puissance pour pouvoir justement accueillir vos dons et les développer au profit des autres. Tant que vous êtes dans le cœur, que vous êtes dans le partage et le don de vous, vous ne craignez rien en fait. Et quand je parle de don de vous, ce n'est pas du sacrifice, hein. Ça n'a rien à voir. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, moi je parle de don. Pourquoi? Parce que quand on est thérapeute, on est dans le cœur, on est dans le partage, mais on a compris, on a évolué un maximum pour justement déjà se préserver, on a appris à ouvrir son cœur dans certaines situations, mais on sait aussi se protéger. Voilà, c'est tout un équilibre pour être un thérapeute bien dans ses baskets. Et on apprend aussi tous les jours. Mais du coup, on vous invite vraiment à ne pas avoir peur de ça. Il y a des choses qui vont remonter à la surface, mais ça vient non pas de cette vie, mais des autres vies. Donc vous pouvez les balayer, vous pouvez les supprimer. Ici, vous pouvez travailler sur la sécurité d'être qui vous êtes véritablement. Alors, du coup, hop, on va aller voir au niveau du pro, du sentimental et du bien-être. Donc au niveau du pro, en plus on a le travail qui est ressorti, donc je suis curieuse de voir ce qu'on va avoir comme message. Alors au niveau du pro, les amis Verseau, qu'est-ce qu'on a? On a guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Les amis Verseau, je vous dis depuis le début, on a le partage.
Si vous faites un travail où vous êtes dans le partage avec les autres, vous êtes pile poil au bon endroit. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien. Et là, je prends mon tarot et qu'est-ce que je vois en dos de deck ? On a l'as de coupe. C'est quelque chose qui est important pour certains Verseaux. On a vraiment cette notion d'aide aux autres, de don de vous en fait. Alors, au niveau pro, les amis Verseaux, on a le 8 d'épée qui est ressorti. Alors, il y a des blocages ici, donc on les a vus dans les challenges, mais ça ressort ici. On vous invite à aller voir les croyances limitantes qui vous empêchent d'être qui vous devez être véritablement. On vous invite à couper les liens toxiques, tout ce qui est, tout ce qui vous empêche justement de devenir la personne que vous devez être. Hein. Parce que votre chemin, c'est l'aide aux autres, c'est le partage avec les autres. Vous accompagnez les gens en fait, donc soit des enfants et tout, vous êtes... on a cette notion de maman, de protectrice en fait. Et là, on vous dit que pour l'instant, vous n'avez pas déployé vos ailes au niveau professionnel, que vous êtes lié à quelque chose qui vous empêche justement d'être, de briller en fait. Donc on vous invite ici à vous libérer de ça. Le mois de juillet, vous allez vous remettre peut-être en question au niveau du travail, vous allez chambouler tout ça et vous allez vraiment découvrir vos dons et vos capacités. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau des amours, alors au niveau des amours, je vais faire donc je vais faire l'astro spécial amour pour les membres de la chaîne. Je suis en train de mettre en place ça. Donc bientôt, il y aura le petit bouton juste en dessous des vidéos pour rejoindre l'espace membre. Alors, waouh, elle s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a ? Fusion des sentiments. Donc, ami Verseau. Hop, on a la fusion des sentiments qui est ressortie. Et on a la solitude. Oups, ça saute. Alors... Et on a attirance. Bon, j'ai plusieurs messages qui me viennent ici. Hop, ma petite étoile là. Donc, alors, j'ai certains Verseaux qui sont en couple, enfin, qui sont en relation en fait. Et pour X raisons, il peut y avoir un éloignement géographique, une prise de distance, soit par le métier, donc le travail, par le quotidien, par la vie, qui fait que vous ne pouvez pas être tout le temps ensemble. Mais il y a vraiment cette notion de fusion des sentiments, cette attirance, cette tendresse qui est là, et c'est très important, mais il y a quand même ce sentiment de solitude qui ressort, parce que pour l'instant vous n'êtes pas ensemble, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Mais il y a vraiment cette notion de fusion des sentiments, donc c'est vraiment quelque chose qui est beau. On a du 2 partout, sauf ici. Donc pour moi, pour certains Verseaux, si vous êtes dans ce cas-là, il va y avoir un rapprochement qui va se faire. Prenez patience, essayez de vous occuper de vous pour l'instant, de créer un espace de sécurité, un espace d'amour. Peut-être vous servir des communications pour justement vous sentir moins seul, moins isolé. Mais ici, on a vraiment cette notion que vous allez vous retrouver par la suite. C'est passager pour l'instant. Et pour certains Verseaux, ce que j'entends, c'est que vous êtes célibataire et ça fait longtemps que vous recherchez l'amour. Et en fait, vous avez peut-être du mal à trouver quelqu'un qui vous corresponde, quelqu'un qui soit dans l'amour, la tendresse, qui ait vraiment une attirance et tout, quelque chose comme ça. Donc ici, il y a cette notion justement de... ouais, c'est ça, on a le nom qui est ressorti. Ici, il y a vraiment cette notion de prendre du plaisir pour vous. En fait, plus vous allez prendre du plaisir dans ce que vous faites, dans votre vie, et plus vous allez attirer quelque chose de beau au niveau de l'amour. Donc, pour l'instant, si vous êtes célibataire, on vous invite à faire ça. On vous invite à moins vous focaliser sur une rencontre, mais à vous focaliser plus sur votre vie, sur l'amour que vous vous portez, en fait, à l'intérieur de vous. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ici, on a les petits plaisirs de la vie qui sont très importants, qui permettent justement d'avoir une base solide. On me dit par rapport à mes guides, j'entends que pour certains, il y a des relations qui étaient compliquées, il y a des relations qui ne tenaient pas parce que les bases ne sont pas assez solides au niveau du chakra sacré et au niveau du chakra racine.
Donc pour certains, vous pouvez aller voir en fait si vos deux chakras sont bien équilibrés, bien enracinés. Sinon, vous avez des relations qui peuvent être déséquilibrées là-dedans. Ça, c'est une petite aparté, on est dans une guidance générale. Allez, hop. Du coup, avec l'espace membre, je pense que je vais vous faire des vidéos vous donnant des solutions, des exercices, beaucoup plus de détails par rapport au domaine en fait. Alors, hop, on y va. On va aller voir au niveau du bien-être. Qu'est-ce que vous avez? Alors, pour le mois de juillet, les amis Verseau. On a les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Et on a... Alors, on a « Ayez foi en vous », donc elle est sortie un peu bizarre, donc je la mets quand même. Et on a « Lémurie ». Alors, ici, moi ce que j'entends, c'est qu'on vous donne un petit conseil pour ceux qui sont célibataires. On vous demande d'équilibrer le féminin et le masculin sacré. C'est très important de l'équilibrer à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je vous parlais du chakra sacré. Donc, il y a vraiment cette notion... Et ça, c'est pour tous les Verseaux, parce que c'est aussi une croyance limitante. Il y a peut-être cette notion d'aller voir ce que vous pensez du masculin si vous êtes une femme et ce que vous pensez du féminin si vous êtes un homme. Ça, c'est vraiment essentiel. Mais il y a un équilibre qui doit se faire, un alignement qui doit se faire au niveau vraiment des chakras du bas. C'est essentiel. Avec les cristaux, on a cette notion d'être ancré, d'être présent à la vie, d'être connecté à la terre-mère. Donc ici, on a vraiment un alignement qui doit être fait au niveau du masculin et du féminin sacré, pour que vous puissiez déjà comprendre comment l'autre est et pour pouvoir équilibrer et harmoniser en fait votre vie. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Ici, on l'a vu avec les croyances limitantes, parce qu'il peut y avoir des doutes, vous pouvez peut-être vous demander si vous êtes capable, si vous pouvez créer une entreprise. Il y a vraiment cette notion de un peu se sous-estimer, en fait. Et on a la lémurie. Les lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main, faites confiance aux gens qui vous entourent. Ça, c'est vraiment essentiel. Mais il y a vraiment cette notion de confiance, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en la vie. C'est parce que ici, moi, je vous ai parlé du masculin sacré, mais il y a vraiment cette notion de passer à l'action. Et comment on passe à l'action? C'est en ayant confiance, en ayant chakra racine et sacré bien équilibré, pour pouvoir justement pousser et s'épanouir comme un arbre. Alors, du coup, on va aller voir... Hop. Et c'est pour ça que les deux cartes sont sorties, parce qu'on a la carte de l'énergie féminine qui est sortie en premier, et ensuite il y a eu le masculin qui est ressorti. Alors du coup, on va aller voir les breloques. Donc, hop, je fais un petit peu de place. Allez, les Verseaux. Alors... On a un petit extraterrestre qui est ressorti. Alors, au niveau de l'argent, des secrets, on a un petit extraterrestre qui est là. Alors, celui-ci, il est trop mimi parce qu'en fait, il est un peu bizarre. Il a du papier toilette derrière. Donc, lui, c'est sorti dans les secrets et une partie dans l'argent. Alors, peut-être qu'un des blocages que vous avez pour votre entreprise ou au niveau du travail, c'est l'argent. Il y a quelque chose qui va venir un peu de nulle part et qui va vous faire changer d'avis sur votre travail et sur la notion de l'argent. Ça, c'est vraiment essentiel de voir au-delà des choses, on dit au-delà des apparences. Ça, c'est vraiment important. Au niveau de la personnalité, de la communication, moi, on me dit que vous avez besoin de vous montrer, vous avez besoin de vous exprimer et voilà, ne pas hésiter à montrer qui vous êtes, à dire ce que vous avez envie de faire ou ce que vous allez faire comme projet. Ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des blocages et du bien-être, on a rupture. Donc, pour certains Verseaux, il y a eu une rupture qui a été compliquée. Il y a une rupture qui vous a énormément éprouvé. Mais vous avez l'ange qui est sorti avec. Donc, il y a vraiment cette notion de protection. Il y a un guide, un ancêtre, quelqu'un qui est autour de vous, qui vous protège, qui vous entoure, qui était là quand vous avez rompu.
quand vous avez eu cette rupture en fait. Et alors, je saute dans les ancêtres du coup, et au niveau des surprises, on a le petit fantôme qui est ressorti. Donc c'est possible que vous ayez un défunt d'énergie féminine. Donc voilà, c'est pour certains Verseaux, ça vous parlera. Alors, il y a aussi un défunt qui est en train de vous dire que vous avez besoin de nettoyer vos chakras. Vous avez besoin de purifier et d'équilibrer vos chakras racines et sacrés. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a aussi la musique. Donc on vous invite à nettoyer et à équilibrer votre chakra sacré en priorité. Parce que c'est là où vous prenez du plaisir, c'est là où vos désirs se réalisent. Et on avait la grosse avancée karmique au niveau des désirs. Donc c'est vraiment essentiel d'aller jeter un petit coup d'œil à ce chakra sacré, savoir un peu ce qui se passe. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du travail? Ça c'est pas bon, hein. On a les arêtes de poisson. Donc au niveau du travail, il y a pour certains Verseaux un travail qui est compliqué, un travail qui vous n'avez pas envie de vous lever le matin en fait, vous y allez à reculons. Il y a un travail qui sent pas bon. Bon, peut-être que vous travaillez en poissonnerie, hein, mais ou alors vous êtes en thalassothérapie, quelque chose comme ça. Mais il y a un travail qui ne vous plaît plus, il y a un travail qui ne vous convient plus. C'est vraiment quelque chose qui est lourd à porter, quelque chose qui est compliqué. Au niveau du bien-être, on a les valises qui sont ressorties. Donc pour certains Verseaux, là on vous dit en fait de vraiment prendre du temps, prenez des vacances. Vous en avez vraiment besoin. Ici, on avait la notion du travail qui est ressortie pratiquement tout le temps. On a une grosse avancée karmique, donc vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour ce mois de juillet. Donc, on vous invite dès que vous pouvez, soit à prendre des vacances, soit à partir un week-end, soit même à prendre même quelques heures pour vous. Mais c'est vraiment essentiel de vous faire du bien. Allez, hop, on va finir par le message des anges. Donc, qu'est-ce que votre ange a envie de vous dire? On a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ça, c'est votre ange qui vous envoie ce beau message. Et là, on est en train de me dire, moi aussi, je veux en transmettre un. Et ça, c'est votre défunt. Donc, votre défunt veut vous dire beaucoup de choses. Et voilà. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Ouais, ça correspond à la carte grosse avancée karmique. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.